Et comme il continuait son chemin, il leva les yeux et vit quelques arbres sur la route sur lesquels il y avait une multitude d'oiseaux. Et il commença de prêcher aux oiseaux qui étaient à terre, et aussitôt, ceux qui étaient sur les arbres vinrent auprès de lui, et tous ensemble restèrent immobiles jusqu'à ce que saint François eut fini de prêcher. Jeudi 2 juin 2022, voilà, je viens d'arriver à Sermizelles-Vézelay et je me dirige sur la colline de Vézelay pour aller dormir ce soir. J'en ai pour 8 km et je vais les faire à pied, ça me fait un échauffement pour demain. Vendredi 3 juin 2022, voilà, je commence mon périple vers Assise. Il est 8h30, j'ai assisté à la bénédiction du pèlerin à la basilique de Vézelay. Et je suis sur le départ, après un bon petit déjeuner au centre Sainte-Madeleine, où j'ai été bien dormi. Et voilà, et puis c'est mon premier balisage. Je suis sur le bon chemin. J'ai quitté la colline de Vézelay et me voilà dans la campagne. Un bon petit chemin. Samedi 4 juin 2022, je quitte mon accueil à la ferme. Et puis ce matin, le soleil est de retour. Bon, première nuit en tente, hein, j'espère qu'elle va résister. Hein. Mon beau plongeon dans le bourbier. Sous-Vevrey, c'est là qu'on m'accueille ce soir. L'accueil chrétien de Jacqueline.
jeudi 9 juin 2022, je quitte les écuries de ce château, les écuries aménagées pour les pèlerins d'Assise. Premier jour de beau temps complet et le paysage change. Fini les forêts du Morvan, à moi les prairies et les vaches. Vendredi 10 juin 2022, je suis à Saint-Pierre-de-Varennes, je quitte le gîte paroissial où je n'étais pas seul aujourd'hui. J'étais avec Bénédicte, voilà, qui va partir un peu plus tard, mais qui va me rattraper. Je vais suivre le canal du centre jusqu'à Écuisses. J'arrive à Saint-Ganjou, le national. Il est dimanche, les cloches sonnent, il fait beau, je suis sur la Vouvia. Piétonnes et cyclistes qui va m'amener directement à Thésée. La colline de Thésée. Voilà. Et je prends la piste cyclopédonale jusqu'à Cluny. Mardi 14 juin 2022, je quitte mon logement, j'étais chez les sœurs, à Cluny.
Mercredi 15 juin 2022, je quitte Tramail et je quitte mon gîte, le Marronnier. Eh oui, il y a quand même quelques petits dénivelés, il y a des belles vues. Quitte le gîte l'accueil pèlerin où j'étais accueilli dans les coteaux du Beaujolais. C'est à Beaujeu exactement. Beaujeu qui est le centre historique du Beaujolais. C'est là où je vais dormir. Et j'étais dans un gîte, accueil pèlerin, avec Toutou qui est là, et Bruno qui m'a accueilli, puis qui s'est levé faire mon petit déjeuner. En chemin vers Ars, en passant par Villefranche-sur-Saône, le curé d'Ars, au pied de la basilique. Samedi 18 juin 2022, je quitte mon hébergement derrière la basilique à Ars. Je suis dans les dombes, il y a de l'eau partout. Bien, nous voilà à Pérouge. Lundi 20 juin 2022, je suis chez Guy et Fabienne qui m'ont reçu avec super. Avec plaisir. Voilà. Très content de recevoir Noël et puis ce chemin d'Assise qui fait du bien, ça fait du bien à tout le monde, que ce soit aux pèlerins de passage ou même nous en tant qu'accueillants, c'est une bonne bouffée d'oxygène et puis qu'on essaye justement de diffuser, quoi, qu'on soit des vecteurs de tout ce que Saint-François nous a donné. Alors merci de votre accueil en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi Noël. Je surplombe Saint-Sorlin et j'ai une petite vue sur le Rhône déjà. Ce soir, c'est bivouac au pied de l'église. Voilà, j'ai passé la nuit sous la flotte. Et puis là, ça a pas l'air de se calmer, donc je vais partir malgré qu'il pleuve ou quoi. Voilà, il faut bien que j'avance. Jeudi 23 juin 2022, je quitte l'éco-gîte de Vérin. C'est des maisons typiques de par ici. J'en vois partout comme ça. Je suis à Izieux, tristement célèbre.
Journée émotion aujourd'hui. Je vais vers le mémorial. Je descends toujours, je vais arriver au Rhône, je vais traverser, et puis après, il faudra remonter. T'es beau! T'es trop beau! Deux heures ce matin et une heure vers 11h, j'aurai eu ma ration de pluie aujourd'hui. J'ai un abri et je patiente. Et bien après un déluge d'eau et d'orage, le temps se découvre et j'aperçois cette belle vue. Samedi 25 juin 2022, il est 6h15 du matin, je quitte mon chalet chez un agriculteur qui fait du jus de pomme bio. Je suis dans le massif de la Chartreuse. Dimanche 26 juin 2022, je quitte Saint-Pierre-d'Entremont. Ça commence à brûler aujourd'hui, ça va pas être terrible, j'ai une grosse étape. Mais on va y arriver doucement. Saint-Pancrace, le gîte de la mairie. J'ai pris le sentier du facteur, petit chemin vertigineux qui fait 3 km. Sinon, il fallait que je fasse un détour de 12 km. Je descends toujours sur ce chemin du facteur et je commence à descendre en dessous du nuage. Et puis ce chemin des facteurs est tellement raide que voilà, j'ai cassé mon bâton. Je suis passé du côté du massif de la Belle Donne et le massif de la Chartreuse en face. Et je vais arriver à mon but dans 1,5 km à Laval, en Belle Donne. Je suis arrivé à l'accueil pèlerin, le Mollard, c'est 3 km après Laval, en Belle Donne. Voilà ce qui m'attend demain. Dimanche 4 septembre 2022, voilà, je quitte mon accueil pèlerin charmant avec monsieur et madame qui m'ont accueilli pour une bonne nuit. Et oui, je suis sur le bon chemin.
Et ma copine, elle est montée jusqu'ici aussi. Je suis descendu de l'autre côté et j'ai trouvé un pèlerin. Il fait incise. Lundi 5 septembre 2022. Je quitte avec Jacques le gîte du rivier d'Allemand. Sur la route du col du Glandon. Ces demoiselles sont de sortie. Eh bien voilà, je suis dans le troupeau. C'est mes compagnes de voyage jusqu'au col de la Croix de Fer. Il reste 1 kilomètre et après ça descend. Saint-Sorlin-d'Arves, c'est là où je vais dormir ce soir. Donc, une belle descente. Je suis prêt à partir pour Saint-Jean-de-Maurienne. Je quitte Saint-Jean-de-Maurienne après une chaleureuse soirée et un accueil d'enfer de Pierre, ciao, ciao, et bon chemin. Marie-Claire, que j'oublierai jamais. Je quitte la maison du bonheur, c'est le gîte à Aurel. Et ça monte, encore aujourd'hui et demain je dois arriver au col. En descente vers Modane, la brume ne se lève pas. Vendredi 9 septembre 2022, nous étions dans un genre de chalet de toile. Il faisait pas chaud ce matin. C'est la dernière étape de montagne, en montée en tout cas. La montée au col du Mont-Cenis. Ça monte un peu raide. On a pour 2 heures. Ça sera plus plat après. Le long du lac.
Samedi 10 septembre 2022, je quitte le Mont-Cenis. On était au refuge de l'hôtel Grand Scala. Nous allons attaquer le chemin d'Assise en Italie. Si. Grazie Stefano. Hein. Et... Ouais. Ciao. Ciao. Alors, on était dimanche 11 septembre 2022. Je quitte le B&B dans la périphérie de Souza. C'est pour demain. Lundi 12 septembre 2022, je quitte Sant'Antonino de Souza et on va se diriger tranquillement vers la Sacra San Michele qui est en ligne directe avec le Mont Saint-Michel. Donc il y a une petite grimpette de 1h30 pour aller jusqu'à là-haut. Saint-Michel, je suis en ligne droite avec le Mont Saint-Michel et Jérusalem. Mardi 13 septembre 2022, je quitte mon hôtel Auberge de Jeunesse qui était placé sur la jolie petite place de Avigliana. Je suis sur la Via Francigena en direction de Turin puisque j'ai quitté le chemin d'Assise hier. Je suis à Rivoli. Et maintenant, je vais prendre le Corso Francia, un trottoir qui va de Rivoli à Turin et qui fait 12 km. Je peux ranger mes bâtons. Thank you.
Mercredi 6 juin 2023. J'attaque ma deuxième partie du chemin d'Assise. Je suis au Duomo de Torino, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui est là, c'est fermé. Donc je vais prendre mon chemin. Je vais traverser le pont. Jeudi 7 juin 2023, je quitte Gassino Torinese. Voilà. Je m'en vais. J'espère que le soleil va se lever. Vendredi 9 juin 2023, le gîte El Tignolo. Je m'en vais, il est 7h et j'étais à Cavagnolo. J'arrive à Gaviano, c'est là où il y a le vignoble de l'excellent Barolo. Samedi 10 juin 2023, je quitte Gaviano. J'étais dans ce petit hôtel-restaurant, très sympathique, très familial. Et j'étais à côté de la parroquia, où j'ai été à la messe hier soir à 17h. Et nous étions deux, plus le curé. Alors, il y avait de l'ambiance. Eh bien, après mon escapade dans les monts, me revoilà descendu au niveau du pot que je suis en train de traverser. Ambiance italienne à Trana. C'est le marché du samedi. Les rizières sont à nous et le riz pointe. Passaggiata sur la place Cavour Vercelli. Dimanche 11 juin 2023, je quitte Vercelli.
Lundi 12 juin 2023, je quitte la Bassia Sant'Albino à Mortara avec Franca. Il y avait deux cyclistes avec moi, Colette et son époux. Basta. Buon cammino. Basta, no. Faccia buon viaggio. Sì. E mi raccomando, torni fra altri due anni. Sì, va bene. Va bene. Ok. Ciao. Basta. Ciao e grazie. Ciao e grazie. Prego. Bonjour tout le monde. Voilà. Je suis Alessio, je suis brésilien, pèlerin. J'ai maintenant trouvé le monsieur Noël, ici, dans la vie francigène. Je suis en vélo à cause de l'étang. Je voudrais faire le pèlerinage à pied. Je pense qu'à pied c'est mieux, c'est plus sûr, c'est plus agréable. Et c'est mieux pour réfléchir et pour faire quelque chose de spiritualité. Oui, je voudrais beaucoup de bons chants à tout le monde. Et de bons chants à le monsieur Noël, la continuation à l'assise. Merci. Et bon camino, Utreya. Utreya. Sur la route de Pavie, et j'ai retrouvé Roberto hier au gîte, et on va au même, par hasard, on va au même ce soir à Pavie. Et on va longer El Fiume jusqu'à Pavie, et c'est un des plus gros affluents du Pô. Santa Maria in Bethléem. J'étais chez les sœurs. Je quitte la paroisse de Santa Cristina, un peu rustique, mais c'était très bien. Vendredi 16 juin 2023, je quitte Oriolita pour aller à l'embarcadère et prendre la barque qui traverse le Pô pour aller à Piacenza de l'autre côté du Pô. Et voilà notre barque qui arrive avec le passeur Danilo.
Et nous voilà partis chez Danilo pour faire timbrer la crédentiale. Queste due qua le abbiamo fatte per segnare il punto dove Sigeri che è passato mille anni fa, il Bishop English, okay. Mille anni fa ha scritto, la via Frangia ha scritto Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Corte Sant'Andrea, Santa Cristina, Pavia, eccetera, ok? Passato qua. Ma perché è passato qua? Ho due segretari, tutte e due a zero. Sigerico, the bishop who did the first round, sì, from Canterbury. Tommy, quello l'ho già detto, no, fa il bravo. This is the place. Licenziato. No, lascia stare Canterbury. No. No, c'est un phénomène, c'est un phénomène. I romani non avevano barche, facevano zattere e andavano di là, facevano le strade i romani, le strade. Ok, però, e finisco la conferenza, il personaggio very, very important che è passato qui è questo di San Colombano, nel VII secolo. San Colombano, un santo Irish, che è partito dall'Irlanda, erano in 13 monaci, parte dall'Irlanda, arriva in Francia, in Bretagna, lì c'è un sacco di chiese dedicate a lui, poi va al sud-est della Francia, alla Côte de Besançon. Poi Gallo, uno dei 13, erano in 13, Gallo dice Colombano, io sono tre fatiche, sono stanco, non ce la faccio più, mi fermo qua. Colombano si arrabbia tantissimo, va bene, Gallo si ferma lì, fonda il monastero di San Gallo. Conosci il monastero di San Gallo? No. Conosci il monastero di San Gallo? No. Conosci Dove? È uno dei. In Svizzera, sul lago di Costanza. Ah, in Svizzera. In Svizzera. Ah. Nel lago di Costanza è Svizzera, Germania, okay. Austria. Yeah. È tutto lì. Poi ti spieghiamo tutto, così impari bene. No, è interessante questo. Colombano con gli altri 11 va a Milano. E i regnanti longobardi gli danno il terreno qui a Bobbio, fonda l'ultimo monastero prima di morire, 60 km da qua, e muore a Bobbio nel 615. E vi ho detto tutto. Voilà, Roberto nous quitte, et voilà, je suis parti avec Tommy et Anna. Allemand et suédoise. Je quitte Montale, c'est 4 km après Piacenza. Sì, Argentina. Sì, ho cominciato in Argentina e ho fatto fino all'Alaska. Sì. 4 anni, 90.000 km di viaggio. Madonna. Poi ho messo la motocicletta dentro un container. Sì. E è venuta per la Germania. Uè. E ho girato già tutta l'Europa. Sono andato fino in Islanda, a Faroe, alle 7 isole Canarie, dal Portogallo alla Russia. Oh là là, ma te parla italiano come un italiano? Io ho vissuto parecchi anni in Italia. Ah, sì. Mio nonno era italiano. Anche a me. Sì? Anche a me sono francese, ma mio genitore era di Venezia. Di Venezia? Sì, sì. O mio nonno era di Piemonte. Ah, sì. Un piccolo paese vicino a Cuneo. Piacere. Piacere anche a me. Che stai facendo la via francigena e dopo vado a Assisi. Assisi? Sì, sì, sì. Ah, bello, bello. Gabriele, buon viaggio. Piacere. Buon viaggio. De la paroisse de la
collégial. Je commence à percevoir les Apennins. Ah, le plat, ça va bientôt se terminer. Roberto, et lui il est déjà parti, et moi je m'en vais. Maintenant il est 5h30. Je quitte la Villa Santa Maria, un petit peu dans les hauteurs de Forno Novo di Taro. Et je suis toujours sur le bon chemin. Cassio, je suis arrivé. Eh bien, me voilà au point culminant de mon chemin en Italie. Pèlerine Alba qui m'a rejoint et qui, je crois qu'on va être au même gîte ce soir. Et oui, je suis sur une voie romaine avec un beau pont romain sur le torrent. Quitte Pontremoli, j'ai passé une nuit au couvent des Cappuccini. Et je suis sur le bon chemin parce qu'ici c'est la statue de Saint François d'Assise. Je quitte l'abbazia de Ola. Et je m'en vais doucement pour Sarzana. C'est une étape courte, mais très difficile. Oh, ce n'est émouvant. Eh bien, rude montée. Et je suis passé au-dessus des nuages.
Et tu es espagnol? Si. Ah bon. Et tu parles français, c'est bien. Merci Joaquin. Buen camino. Ok. Vous venez de Oula? Oui, on était à... Oui, Oula, oui. Oui, Oula. Oula. C'est bien l'inverse. À la parroquia? La parroquia. Très bien. Amigo, buen camino. Bon. Buen camino. Bon camino. Adios. Le 25 juin 2023, je quitte la paroisse de Sarzana. Nous étions 5. Certaines s'arrêtent aujourd'hui, d'autres vont à la plage demain. Parce que nous sommes pas loin de la mer. Et voilà. Et moi, je vais faire mon chemin jusqu'à Massa, tranquille. Je quitte l'hôtel Palazzo Nissa, j'étais à Massa, et je me dirige vers Camiore pour 20-24 km. Eh bien, ça monte un petit peu, mais voilà, j'ai une belle vue sur la mer Méditerranée. Tout le monde lave son trottoir. J'ai quitté mon logement chez l'habitant. J'ai retrouvé Roberto qui est accompagné de Nicolo de Breccia. Il parle français et ça fait plaisir de le retrouver parce que ça fait longtemps que j'étais tout seul. Et on est sur l'argine qui nous conduit à Lucca, ville fortifiée. Sono fatto così, presuntuoso ed arrogante, non ho sorriso disarmante, per la donna che verrà. Sono fatto così, un po' di scherzo poi madente, prendo fuoco facilmente, e in amore si vedrà, si vedrà,
si vedrà, si vedrà. Mercredi 28 juin 2023, il est 5h du matin. Je quitte la superbe ville de Lucca. J'arrive à Alto Pascio. Je ne m'arrête pas là, parce qu'il n'y a pas de logement. Je vais faire 3 km de plus. Je quitte mon gîte à Fitacamere. C'était un peu dans la pampa. Et je pars pour San Miniato Alto. Ça veut dire que ça monte un petit peu. From Roma. Okay. Yes, statue. And you are Corinne. Yeah. Yes. Yeah. Buon cammino di. Buon cammino. Buon cammino. Addio. J'approche après la petite escapade sur la Via Francigena. Me voilà de retour sur le chemin d'Assise. Je ne te quitte plus jusqu'à la fin. Et c'est là où je vais dormir ce soir. San Miniato Alto. Et vu à 5h du matin. Il a plu un petit peu, mais ça se lève. Je traverse le vignoble du Chianti. À l'orage. La Toscane sous la pluie. On vient d'avoir un bel orage et on est tous un peu rinsouillés. Samedi 1er juillet 2023, je quitte le gîte superbe à Chiani, juste un peu avant Gambasi Terme. C'est le gîte Hostel Silgeric. Roberto est prêt à partir. Et nous étions un petit peu en contrebas de Gambasi Terme. Un pèlerin. Je suis pas fatigué. Hein. Ah bon, c'est bien. Et San Gimignano se profile à l'horizon. Il me reste encore 4 km quand même.
Vedo chiaramente la presenza dell'universo intero che sostiene la mia esistenza. Questo non si trova più. Grazie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito. Grazie. Je quitte le couvent Sant'Agostino e Giacomo de San Gimignano. Et je suis sur le bon chemin. Voilà, ça fait 3 heures que je suis parti de San Gimignano et je suis en train de monter au Colle Val d'Elsa. Lundi 3 juillet 2023, je quitte le gîte à Abadia Isola. J'étais dans un gîte communal, un peu religieux. De mon matin, la forteresse de Monte Rigioni apparaît. Dans les brumes du matin et la fraîcheur. Après 3 heures de marche, une petite pause chez Mauro. Ciao Mauro. Et j'ai rejoint Roberto et Silvia. Ciao. Ciao. Buon Natale. Grazie. L'altro giorno mi sono fermato. Ce soir, j'ai le cœur gros. Et je quitte Sienne par la Porta Romana.
repartir dans la brume. Ce matin... C'est pas brume, c'est nebbia. Nebbia. D'accord. À Saint-Quirico d'Orcia, ma dernière étape sur la Francigena. Voilà le départ de Roberto. Ben, on se quitte ce matin. On s'est connus à Vercelli et puis on a marché, on s'est perdu, on s'est retrouvé, ça fait bien 3 semaines. Donc c'est un petit peu ému ce matin. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Voilà, lui continue sur la Via Francigena. Et moi, je pars par ici. Puisque je vais sur Assise. Voilà, j'ai quitté Saint-Quirico depuis 1h30. Et j'arrive à la Cappella de Vitalita. De Sainte Agnès à Monte Pulcino. C'est le cloître. Je suis le seul pèlerin ce soir. Vers mon hébergement qui est un peu rustique. Toujours le vignoble de Monte Pulciano. Le lac Trasimène, avec son île majeure où Saint François passa tout un carême. Quitte la paroisse de Chiusi Scalo. Tavernelle, j'ai une étape de 24 km, j'espère que ce ne soit pas trop pentu. Depuis hier, je suis en Ombrie et les paysages changent. Je quitte mon hébergement, la Parroquia Tavernelle.
Il est midi. Papá Noel, feliz de tenerte en casa. Espero que retornes y buen camino en tu vida. Sí. Y espero que el camino te dé mucho más de lo que nunca soñaste.